Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, étant professeur de SVT pendant 33 ans, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de corriger les épreuves du baccalauréat, aussi bien PC, SVT que sciences maths. Et là, je peux vous dire que d'après mon expérience personnelle, qu'il y a beaucoup d'erreurs stupides. Alors, je dis stupides car ils ne sont pas liés aux connaissances que vous possédez certainement. Vous avez appris, fait beaucoup d'exercices, mais quand vous allez donner votre réponse, alors là, parfois, c'est la catastrophe. Vous savez, l'épreuve de SVT au bac fait souvent moins peur aux élèves que celle des maths. Et pourtant, cette matière devrait être prise très au sérieux, puisqu'elle représente un coefficient de 6 pour les SVT, 5 pour les PC et 3 pour les sciences maths. Et je pense que vous rêvez d'avoir une mention, mais autant dire qu'avec un 10 sur 20 dans la matière, eh bien ça risque de vous faire rater la note dont vous rêvez. Alors cette vidéo est adressée aux élèves qui veulent avoir un maximum de points, vraiment qui veulent atteindre la perfection si vous voulez. Et suivez donc les conseils jusqu'au bout, n'en ratez aucune. À la fin de cette vidéo, vous allez trouver un exercice que j'ai corrigé et je vous donne des conseils comment écrire la réponse. Première erreur, c'est d'essayer d'imaginer ce qui pourrait tomber ou non au bac. Alors, dans les paquets d'épreuves que l'on corrige après l'examen, on découvre des parties blanches dans la copie. Cela donne une mauvaise impression, car ou l'élève a fait une impasse sur le programme, ou il attend de se souvenir, donc il n'a pas eu le temps d'écrire, ou il attend de quoi? De tricher. Faire l'impasse sur une partie du programme en essayant d'imaginer ce qui pourrait tomber ou non au bac est une grave erreur. Surtout que dans la première partie de l'épreuve consacrée à la restitution organisée des connaissances, on ne peut même pas s'appuyer sur des documents. Une autre erreur, c'est la mauvaise lecture du sujet. Hein? Ne pas débuter l'épreuve en lisant attentivement l'ensemble du sujet ou faire une mauvaise lecture du sujet, c'est-à-dire lire trop rapidement, sans repérer les mots-clés, sans les surligner au stabilo, ne rien noter au brouillon. Ah, vous croyez que vous gagnez du temps? Non, au contraire, vous en perdez puisque vous devez faire une relecture du sujet. Pour le questionnaire à choix multiples, QCM, sous prétexte que les réponses sont rapides à faire, on a tendance à y répondre vers la fin de l'épreuve. C'est une erreur. Après, vous n'avez peut-être pas le temps. Ou bien s'arrêter sur la première réponse qu'on croit juste et on dit ça, c'est la réponse juste. Non, il faut lire l'ensemble des questions du QCM. Une erreur de taille maintenant, c'est oublier le numéro de la question quand vous répondez. C'est l'erreur que l'on déteste le plus parce qu'on perd du temps, nos professeurs. On a beaucoup d'épreuves à corriger, on a un temps limite et là, on doit chercher quel est le numéro de la question à laquelle vous répondez. On est très compréhensif lorsque vous faites des erreurs d'orthographe. On sait que certains élèves ne maîtrisent pas la langue française. Mais changer l'orthographe d'un mot bien orthographié dans l'énoncé, alors là, ça c'est vraiment stupide. L'erreur ensuite qu'on retrouve trop souvent, c'est quand vous interprétez un graphique en donnant des chiffres, vous n'utilisez pas les unités. Vous mettez le chiffre sans les unités. L'erreur qui consiste à parler de la courbe au lieu de parler du paramètre. Alors là, elle est aussi fréquente. Hein. On constate que la courbe diminue ou bien la courbe monte. Hein. Eh bien, ce n'est pas la courbe qui monte ou diminue. Ou quand vous lisez des résultats, vous les lisez de manière vague, sans dire comment varient les paramètres. Par exemple, la concentration d'oxygène passe de A2, 6,75 à 6,4 en 5 minutes. Comment ça, elle passe? Prenons un exemple. Comment allez-vous lire ces résultats? Hein? Eh bien, c'est la concentration en dioxygène lorsqu'on ajoute du glucose ou lorsqu'on en ajoute du pyruvate dans un milieu contenant des mitochondries. Et donc, ce que vous devez faire pour la lire, c'est avant ou après l'ajout de glucose, on remarque que la concentration en dioxygène est stable à 6,75 mg par litre. Mais lorsqu'on ajoute du pyruvate, la concentration en dioxygène diminue de 6,75 à 6,1 mg par litre, et ce, durant 4 minutes. Là donc, il fallait bien dissocier les résultats, c'est la concentration en dioxygène, du paramètre qui fait changer ces résultats. Hein? Donc les paramètres, on avait l'ajout de glucose, il ne l'a pas fait changer, mais l'ajout de pyruvate l'a changé.
Une autre erreur aussi, c'est que vous avez tellement appris que vous voulez à tout prix mettre ce que vous avez appris dans la réponse. Or, dans l'exploitation de documents, dans cette partie où l'on doit faire appel à l'analyse des documents en premier pour répondre à la question scientifique posée, l'erreur commise est de ne pas répondre à la question uniquement à partir des documents fournis, c'est-à-dire donc vous récitez votre cours. Donc l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est interpréter les documents en vous appuyant sur vos connaissances que vous avez apprises. Il faut faire l'inverse, reconstruire vos connaissances, vos acquis, à partir des documents. Faites comme si vous expliquez à quelqu'un, hein, qui n'y connaît rien, ce que vous voyez sur un document. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire appel à ses connaissances. Non, parfois, il faut faire appel à vos connaissances quand cela est nécessaire pour apporter des précisions ou débloquer un raisonnement. Or, nous savons que, etc. Et un conseil, pensez à souligner les termes importants au sein de vos réponses. Souligner avec autre que le rouge. Outre le fait de faciliter la lecture et donc le travail du correcteur, hein, qui corrige souvent des centaines de copies, cela lui permet surtout de vérifier que vous avez bien compris la question en donnant les notions clés attendues dans la réponse. Vous pouvez souligner, hein, parce qu'il y a certains élèves qui me disent non, on nous dit de ne pas marquer la feuille par quelque chose. Non! Écrivez avec une couleur différente mais visible, surtout pas le vert clair ou bien des couleurs trop claires, non. Hein, d'accord ? Et quand vous avez fini, il faut quand même prendre le temps de relire votre copie pour vérifier que vous n'avez pas fait de faute énorme. Et il faut aussi vérifier qu'on a envie de la lire, votre copie. Hein, donc soignez la présentation, l'écriture, l'orthographe, regardez l'orthographe des mots, surtout ceux qui sont déjà écrits, soulignez les titres à la règle, utilisez de la couleur, hein, sauf le rouge bien sûr. Et un dernier point, les feuilles qu'on vous donne au baccalauréat, elles sont gratuites. Alors dites-moi pourquoi, quand vous répondez, vous collez vos réponses. Sautez des lignes, hein. Vous répondez à la question numéro 1, vous avez terminé, sautez deux lignes, trois lignes. Bref, espacez vos réponses. Alors maintenant, je vais prendre un exemple concret pour vous montrer comment présenter les résultats. Je vais prendre un exemple du raisonnement scientifique et communication écrite et graphique qui est noté sur 15 points. Exercice 1, donc il est sur 4 points. On va se centrer sur l'exercice 1. N'oubliez pas, lorsque vous lisez l'exercice, vous allez souligner ce qui est important. Moi, je les ai mis en rouge et souligné. Afin de mettre en évidence la relation gène-caractère héréditaire et de déterminer quelques mécanismes de l'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. Ce qui est souligné, ce sont les objectifs de cet exercice, donc on va vous les poser certainement comme question. La division cellulaire est l'une des propriétés fondamentales des cellules vivantes. Pour assurer le développement et le bon fonctionnement de l'organisme, les divisions cellulaires doivent être contrôlées. Parmi les gènes qui interviennent dans le contrôle de la division cellulaire, on trouve le gène P53. Dans certains cas, ce contrôle peut être altéré, ce qui est à l'origine d'un phénotype qui se manifeste par une multiplication anarchique des cellules et la formation de tumeurs. Alors, comme le but de cet exercice était de déterminer la relation gène-caractère, et dans ce texte, on va extraire hein, cette relation. On nous dit que le gène P53, donc je l'écris au brouillon, gène P53, est responsable du caractère du phénotype, la division cellulaire normale. Donc, j'ai identifié le gène et j'ai identifié le caractère. Donc, dans le brouillon, n'oubliez pas d'extraire les informations utiles. Suite donc de l'énoncé, afin de mettre la relation entre le gène P53 et la formation de tumeurs cancéreuses, phénotype, des chercheurs ont irradié des souris dont le gène P53 est inactif, ce qui déclenche la formation de tumeurs. Puis, ils ont réactivé le gène P53. Le document 1 présente les résultats. La même chose, dans votre brouillon, vous mettez la relation gène caractère héréditaire. Donc, on a le gène P53 est inactif. Il est responsable de la formation de tumeurs. La question maintenant, décrivez les résultats représentés par le document 1 et déduisez le rôle du gène P53.
Alors bien sûr, vous devez lire l'énoncé jusqu'au bout, hein, toujours en soulignant, etc. Mais pour gagner un peu de temps, je vais donc vous donner la réponse à cette question et comment la présenter. Alors la question numéro 1 demande deux compétences à faire, décrire des résultats et déduire de ces résultats. Donc deux compétences. Vous écrivez donc exercice 1, petit 1, et vous commencez votre réponse. Description des résultats. Avant l'activation du gène P53, le volume de la tumeur était 0,4 cm3. Suite à l'activation du gène P53, ce volume diminue progressivement pour atteindre 0,04 cm3 après 12 jours et 0,02 cm3 après 18 jours, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement après 28 jours. Vous soulignez avant l'activation du gène P53 et suite à l'activation du gène P53, pourquoi? Parce que ce sont les paramètres ils ont fait varier les résultats. Maintenant, je procède à la déduction. La tumeur apparaît en présence du gène P53 inactif et disparaît suite à l'activation de ce gène. J'en déduis donc que le gène P53 intervient dans l'élimination de la tumeur. Et vous soulignez. Suite du sujet de l'exercice. Le gène P53 code pour une protéine du même nom, la protéine P53, qui intervient dans la régulation des divisions cellulaires suite à une anomalie de l'ADN. La figure 2 représente un schéma explicatif qui illustre la relation entre la protéine P53 et le phénotype cellulaire. Division normale, premier cas, et la formation d'une tumeur cancéreuse, deuxième cas. Deuxième question, en exploitant les données du document, dégagez la relation entre la protéine P53 et le phénotype cellulaire dans chacune des deux cas, puis montrez la relation protéine-caractère. Alors, observez bien le document et essayez de discerner les différences qu'il y a entre eux. Ça va vous aider dans votre réponse. On saute alors deux lignes et on commence la réponse de la question numéro 2. Relation entre la protéine P53 et le phénotype cellulaire. Premier cas, la protéine P53 fonctionnelle arrête la division cellulaire jusqu'à ce que l'anomalie de l'ADN soit réparée, ce qui entraîne des divisions cellulaires normales. Ou vous pouvez lire tout simplement, lorsqu'il y a une anomalie dans l'ADN, la protéine P53 fonctionnelle arrête la division cellulaire jusqu'à réparation de l'ADN. Et lorsque l'ADN est réparé, les divisions cellulaires sont normaux parce que vous les avez comparées avec l'autre, qui sont les divisions qui sont anormaux. Deuxième cas, et là vous mettez mais lorsque, ça vous montre qu'il y a une différence. Mais lorsque la protéine P53 est non fonctionnelle, elle devient incapable d'interrompre la division cellulaire en cas d'anomalie de l'ADN et les cellules ayant l'ADN non réparé entament des divisions anarchiques aboutissant à la formation d'une tumeur. Maintenant, je dois montrer la relation protéine-caractère. Si la protéine P53 est fonctionnelle, les divisions cellulaires sont normaux, mais si la protéine P53 est non fonctionnelle, les divisions cellulaires sont anarchiques. J'en déduis donc que tout changement dans l'état de la protéine induit un changement du phénotype lié à ce caractère. Suite du sujet. Des études ont montré que l'altération du gène P53 est retrouvée dans plus de la moitié des cancers humains. Le document 3 présente la séquence nucléotidique d'un fragment du brin transcrit, là c'est très important de le souligner parce que parfois on vous dit brin non transcrit, de l'allèle normale du gène P53 et celle de l'allèle anormale de ce gène. En vous basant sur les figures 3 et 4, déterminez la séquence de l'ARN messager et celle de la chaîne peptidique de la protéine correspondant à l'allèle normal et l'allèle anormal du gène P53. Vous sautez encore des lignes, vous mettez le numéro 3 et vous commencez votre réponse. Alors là, vous avez différentes manières de présenter votre réponse. Je vais vous montrer celle que vous donnez et celle qu'il faut faire.
Alors pour l'ARN normal, l'ARN messager, donc vous le mettez donc à partir du tableau. Le polypeptide aussi, donc vous mettez pour l'ARN normal. Ensuite, vous mettez pour l'allèle anormal. Mais cette façon de présenter n'est pas la bonne. Voilà comment il faut faire. Il faut recopier l'ADN. Pour l'allèle normal, vous mettez l'ADN. Et vous, parce que vous allez voir qu'il y a une différence. Et donc, vous allez souligner cette différence avec une couleur ou bien vous entourez. Donc, pour l'allèle normal, vous avez donc GTG, etc. Vous écrivez l'ARN messager qui lui correspond, le polypeptide qui lui correspond. Et pour l'allèle P53 anormal, vous allez l'écrire aussi. Vous allez remarquer qu'il y a une différence. Et parce que, puisqu'il y a une mutation. Et cette différence, vous la surlignez. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin. Et on arrive enfin à la dernière question. En vous basant sur les documents précédents, montrez la relation entre la mutation du gène P53 et la formation de la tumeur cancéreuse. Et la réponse, après avoir écrit bien sûr petit 4, après sauter des lignes, etc. Dans une cellule normale, la mutation du gène P53, c'est-à-dire la substitution du nucléotide G par T, vous voyez donc les couleurs de tout à l'heure ont servi, entraîne la synthèse d'une protéine P53 non fonctionnelle et la division cellulaire pour réparer l'ADN ne s'arrête pas. Et donc, on observe des divisions anarchiques des cellules cancéreuses qui provoquent la formation de la tumeur. Alors, si vous avez trouvé que tout ce que j'ai dit est superflu, dites-vous bien que ce n'est pas vous qui corrigez votre copie. Hein? Est-ce que vous allez vous présenter devant quelqu'un en pyjama, dehors, avec la tête toute ébouriffée, sale, etc. Non, vous vous soignez, vous vous présentez bien soigné, vous faites de votre mieux. Eh bien, c'est la même chose quand vous rendez votre copie. Il faut qu'elle donne une bonne impression. Non, au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.